Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Potion Craft. Dans cet épisode, on va tenter de se produire l'œuvre noire. Donc, le problème qu'on avait précédemment, c'était qu'on ne pouvait plus faire cette potion parce que je n'ai plus de cailloux telluriques. Et ça, c'est un peu triste. Mais on a des plantouilles qui permettent de se barrer là sur le bas gauche. Voilà, c'est ça, du romaring. Alors, on va se casser de la myrtille. Moi, j'ai envie de me péter de la myrtille. J'ai envie de m'en mettre jusque là. Où ça? Bon, on peut se faire un mix des deux, hein. Allez. On se pète du romarin et de la myrtille. Ah. Merde, le téléphone qui gêne. Le chronochène. Tac. Touc. Ouais, pourquoi pas, hein. C'est pas mal, ça. Comme idée. Mais d'abord on va descendre comme ça. Ok. De là, on se prend une racine qui descend. Ouais. Ouais, qui descend quoi, vas-y. Un petit champi qui descend bien. Allez. Faut que ça glisse, mon agisse. C'est pas mal. Bon là, ça nous amène un peu loin. Ça nous emmène un peu short, mais let's go. Ok. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'au vu comment ça se profile, on va avoir absolument besoin d'une ombrelle brumeuse. C'est sûr, non? Est-ce que c'est pas genre sûr qu'on avait besoin de ce jeu? D'une ombrelle brumeuse. Non, mais bon, après, on va peut-être pas trop faire le con non plus. Je veux dire, au lieu de mettre une ombrelle, on peut se mettre, voilà. Un petit truc mignonnet comme ça. Bah oui, je crois que jusque-là, je vais juste le tapouiller un peu, au cas où j'aurais besoin. Mais normalement... J'avais pas qu'on pouvait enlever la louche, c'était très drôle. J'allais trop loin. La potion est ratée. De pas grand chose, hein. Putain, elle est ratée de pas grand chose. On pourra pas l'enregistrer. On va la sauver quand même, mais... Un champimage, on va quand même éviter, voilà. Ah, on pourrait... franchement, vu la fleurette, on pourrait aller la sauvegarder. Parce que ça, on en a plein. Ouais, vas-y. C'est une slug. C'est une slug. Pas un vase qui fait un peu la tronche. Ouais, comme ça, je sais pas. On a pas une étiquette qui fait un peu la tête. Qui a l'air dubitative. Voilà. La potion parfaite de ralentissement. Pas cher. Voilà. C'est la version 2. Enregistre, termine là. Très bien. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut officiellement pour faire une œuvre noire. Poison, force... ok, cuirasse, machin, tout le bordel... destruction. Et ça, pour ça, faut aller ici. Donc, on a dit... poison. Force. Cuirasse. Et il manque des trucs là. Ah, il y avait sommeil, ok, bon bah sommeil, sommeil, et ralentisseur, ralentissement, pompe. Créer de l'œuvre noire, succès déverrouillé. Enfin, œuvre noire.
Œuvre noire. Noirceur et décomposition totale. Tout comme l'obscurité renferme la possibilité de lumière, cette substance a le potentiel de révéler la pierre philosophale. En travaillant à la création de l'œuvre noire, vous avez acquis une meilleure compréhension du fonctionnement de la machine alchimique. Ce nouveau savoir vous a aidé à restaurer l'une des recettes perdues, et vous avez maintenant la recette de l'œuvre blanc. Waouh ! Faut quoi pour ça ? L'œuvre blanc. Alors. C'est déjà plus chiant. En sachant qu'après, il faudra faire ça. Avec très probablement une œuvre blanc. De toute façon, je crois que je peux pas la faire. J'ai pas la machine. Ah, j'ai pas la machine. Parfait. Non, il est... Hein ? Ok. Du coup, je l'ai plus le machin. Que j'ai plus le machin. Ah si, tout en bas, ok. Ok, ok. Ok, nous avons produit une œuvre noire. Nous n'avons pas trouvé un grand livre. Je ne sais pas ce que c'est, un gros livre. Oh, je peux récupérer les petits champignons de la mort, là. Dommage. Eh bien, très bien. Il nous reste plus que donc à aller dormir, passer cette... bah, je sais plus. Le patrion, c'est ça. On était sur la journée précédente. Ah. Bah on aura bien bossé, hein. On aura fait une longue pause, mais on aura concrétisé des actions politiques, économiques et sociales. Tout ça en arrivant, quoi. Cool. Cool. Oh, le nain. C'est pas trop lourd à porter ? Non. Ok. Merci, maître nain. Alors, maître nain, il me faudrait tout. Voilà, je suis pauvre, maître nain. Vous m'avez dépossédé de tous mes biens. Non, on va partir sur un truc à la cool. Hein. Voilà. Bonne journée. Putain, le nain, c'est le plus riche. J'ai créé un golem, mais il y a un problème. Il est trop mou. J'ai besoin d'une potion qui rende mon golem aussi dur qu'un rocher escarpé. Oui, on peut vous faire ça. Je vous dirais bien arrêter de créer des golems n'importe où, n'importe comment, mais... la magie, c'est un domaine sur lequel on peut discuter. Hein. Ça a l'air d'être dans mon domaine de compétences et de connaissances. J'ai besoin d'une potion comme bouclier de protection supplémentaire contre différents types de dangers. Voilà, voilà. Et une potion de dur comme ma bite qui court. Hop. Oh, je suis de la merde, en plus je clique au milieu de nulle part. Hein, oh, madame, bonne journée. Bon, attends, on a presque plus aucun pouvoir d'enchantement, mais j'ai besoin d'une potion capable de le restaurer. Oui, bougez pas, je vous fais ça tout de suite. On va s'en faire quand même 4 d'avance, parce que je sais que les magos, ils viennent souvent. Allez, tiens, roule ma poule. L'alcool, ah bah. Eh, ça serait pas un bâton de mousse? Hein? Pas en mousse, mais hein, on a compris. Salutations, alchimiste. Auriez-vous quelque chose que je puisse utiliser pour retrouver de l'énergie après un combat? Genre ça? Ouais. C'était vraiment au hasard, quoi. J'en avais produit 80 dans mon atelier, mais c'était vraiment genre un hasard, quoi. Je pensais pas qu'un jour on en aurait besoin. Qu'est-ce que tu vends? Ouais, vas-y, je prends ça. J'ai commencé à m'en servir. Je sais pas si j'en ai beaucoup, c'est pas cher, je prends. Je prends tout ce qui est en solde, voilà. Et je négocie ça. Voilà. Allez, c'était ma vengeance. Casse-toi. Suivant. Je pars dans les bois traqués du gibier. J'aurais besoin d'une potion pour m'aider à mieux chasser. Tu veux de la force. En général, c'est ce qu'ils veulent, les débiles comme toi. Tiens. Avec ça, tu pourras taper ta femme plus fort. Attraper le gibier mieux. Allez, casse-toi. Je vais apprendre à lancer des enchantements qui protègent contre les épées, les flèches et les griffes acérées. Pour ce faire, je vais devoir étudier une potion à l'effet similaire. Oh, je n'ai que faire des potions faibles. Je veux que la meilleure et je vous paierai grassement. Je peux plus qu'en faire 4.
Qu'est-ce que je vais plus avoir? À mon avis, ça va être encore les champis. Champis de ses morts. Champis de ses morts, même pas. Ah, c'est peut-être les racines qui vont me faire défaut. Ouais, ah, c'est les racines qui vont me faire défaut. Boum! Ah, oh, ça accélère! Ah, ta race, ça accélère. Allez. J'ai besoin d'une potion de soin. Je paierai plus cher pour une potion qu'à partir d'un seul ingrédient. Voici madame. C'était vraiment la potion de votre vie. Hein. On va pas se mentir. Je l'avais senti, je l'avais vu venir. Au revoir. Je dois apporter quelque chose au village voisin de toute urgence, mais mon cheval n'est pas très rapide. J'ai peur de ne pas arriver à temps. Avez-vous une potion pour les chevaux? De quoi les rendre plus rapides et leur donner plus d'endu? Bah, ouais, 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 on va trouver ça, ma bonne dame. Une petite célérité, les familles, là. Potion de célérité. Ah, c'est une tier 2. Oh, est-ce qu'on peut pas effacer cette potion? Oh, quelle indignité. Merci. C'était trop indigne de moi. Oh, j'ai envie de te filer une potion de ralentissement. Oh, tu serais refaite. Allez, hein. Météo, ouais, météo, ouais, 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 il fait beau, il pleut, il y a des nuages des fois. Ça s'appelle la météo. Au revoir, madame. Un autre alchimiste m'a vendu une potion qui me fait mal à l'estomac et me donne la courante. Avez-vous de quoi m'aider à me sentir mieux? Oh, monsieur, vous êtes chiant, je vous jure, par pitié, au secours. Faites quelque chose, quoi. Alors, prends une potion de soin. Ah, vous m'avez pillé mes stocks, quoi. Acheter les trois mêmes potions, là. En vrai, vous en avez acheté quoi? 4? 4 types différents? Allez, ça sort. Hop. Et voilà, on est bien. Oui, oui, bah, j'ai gagné un niveau, mais je peux pas m'en servir. Formidable. Formidable. Là, ce qu'on aurait besoin, c'est de la machine alchimique, en fait. Il faut que l'autre sorcier revienne avec la machine alchimique, mais il faut 4500 balles. il faut du pognon. Allez, c'est parti, il nous faut du fric. J'ai une courante assez... c'est bon, je veux pas le savoir. Allez, casse-toi. Allez, bah, force de manger, boire n'importe quoi, à n'importe quelle heure, ma bonne dame. On appelle condition et dans n'importe quel sens. Ça ne ressemble plus à rien. Ouh, débonnaire. Atteindre le niveau de réputation maximum. Putain, il y a un son maintenant sur Steam quand tu gagnes un succès, quoi. C'est New Age. Je veux créer un sort qui aura l'effet d'un antidote pour mes recherches. J'ai besoin de poison. Et tu veux un spécial d'un seul ingrédient. J'ai exactement ce qu'il te faut. Voilà, ma bonne dame. Voilà. J'ai besoin d'une potion explosive. Alors, une sans plomb. Une sans plomb 98. Bien, t'as vu? Ça devrait faire le taf. Ça, avec ça, mon gars, tu fais cuire tes saucisses, tes bretzels, tout ce que tu veux, en un rien de temps. Amuse-toi bien. J'ai besoin d'enduire mes flèches d'une potion qui empêcherait mes proies de s'enfuir. Je parle juste d'une chasse ordinaire, bien évidemment. Tu veux ralentir tes cibles. Tiens. Les gens sont chelous. Salut le vieux. Je prends tout, je m'en sers pas, mais un jour je vais m'en servir et je m'en servirai par tonnasse, je me connais. Oui, complètement. Ça, je connais pas, ça. Orange à queue, c'est nouveau, ça. À queue, à queue. ben, on peut se passer de ça en attendant. Faut réussir un marchandage à une étoile. Ah oui, parce que je t'en ai pris 91 des chanterelles obscures. Ouais, peut-être pas besoin de 91 chanterelles obscures. Je suis pas sûr de ma consommation soit aussi énervée que ça. Donc il faut que je garde du pognon pour l'autre tâche. Allez. Parlons champi, le vieux. Et me parle pas de ce que t'as dans ton pantalon, le vieux. Oh,
J'suis en train de me rater, putain. Bon, allez. Oh putain, je me suis raté. Bah oui, pas le choix. Allez. Allez. Vas-y, amuse-toi bien. Comment ils peuvent faire la gueule alors que t'as gagné plus d'argent à la fin? J'ai pas compris, tu vois. On conseille quelqu'un de très proche. Vous avez une passion pour ce genre de requête. Ce genre de requête de... Oui, de charme, de machin, c'est ça. Non, ça c'est vision parfaite. Je vous trouve ça, hein. De drogue givrante. Oh, putain, j'ai... Recette de la potion de la drogue givrante. Secours. Oui, c'est ce machin là. Oui, je sais, ouais. Alors. Oh mes souhaits, ah, je vais pas réussir. Oh mes amours, tout ça, hein. Heureusement que j'aime personne, je gagne un temps fou. Je voudrais créer un nouveau sort pour faire exploser des trucs. Ah, il faudrait une potion qui casse tout. Alors. Badaboum. J'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre à ajouter. Bim, badaboum. Pic, pic, badaboum. Au revoir, monsieur. Je vais enduire mon arme d'une potion qui m'aidera à combattre des monstres de glace. Dans l'idéal, je ne veux pas plus d'un seul type d'ingrédient dans ma potion. Si je te donne un truc qui évitera de te faire cramer le cul, déjà tu commences par dire merci. Connard. Ça c'est quoi? C'est explosion, ouais. J'avais pas fait une... Avec juste du... Non. J'avais pas fait avec juste du... L'un l'autre là. Genre ouais, ça. Ça de mémoire, je t'en cale deux, on en parle plus quoi. Voilà. Et de 1. Ah oui, c'est parce que c'est un peu de la merde, ok. Bon, c'est pas grave. Ça nous permet de prendre l'XP quotidien là qui traîne, boum boum boum. On lui fait sa petite potion à lui là, il est content. Allez. Mets-lui ça dans un pot mon gars, genre... un pot, on a pas genre un gros pot droit là, boum. Tiens, prends ta taille de lait mon gros. Voilà. Termine-moi ce truc. Hop. Tu m'obliges à produire des potions bas de gamme, quoi, vraiment. Le mec n'a pas honte. J'ai reçu une livraison de bois de chauffage, mais il est humide et ne brûle pas. Y a-t-il un moyen de le sécher? Oui, 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 oui. Alors, par contre, faut pas trop en mettre, mon bon monsieur. Évitez de trop en mettre trop longtemps. Parce que, après, sinon, c'est bon pour le mettre. Vous êtes bon pour le mettre directement dans la cheminée, hein. Voilà. Je vais chercher, il me faut une potion qui empêchera un sanglier blessé de m'échapper. Hop là. On peut aussi te donner du poison, mais... visiblement, vous trouvez ça tous plus fun. Bon, casse-toi. Vous trouvez ça tous plus fun de le laisser ralentir et souffrir et mourir au ralenti. C'est un peu des connards, mais bon. Hop là. On peut essayer de se tirer une dernière journée. Par contre, là, il faut qu'on fasse du fric. Hein. Faut qu'on arrête d'acheter des conneries. Ou en quantité limitée, acceptable, intelligible, etc. Parce que. Pas fait d'argent, là. Ah, tiens. Les problèmes. Les problèmes, c'est que moi, je veux ça. En créant des potions, je peux lui acheter son truc. Qu'est-ce que je peux créer en masse?
20 comme ça. Allez. Il lui en faut encore. Il lui en faut encore 4, 4, 4, 5, 3, 2, 1. Putain, 0 après. Après, c'est 0, les gars. J'ai plus rien, je lui ai vendu tout mon stock au gars. Oh le drame, je lui ai tout vendu. Bah négocier, faut me réussir une classe 2. Non pas une 3, une 2. On prend aucun risque. On doit valider. Voilà. Ouh. Il nous reste 60 balles. Hein. Et donc plus de réceptacles, acheter une amélioration de la machine alchimique. Ouh. Eh bien, retour. Je suis fauché. Je suis fauché. Au secours. Ouais, on va quasiment boucler chapitre 5 avant de finir au chapitre 4. Hein. On en est là dans nos vies. J'ai besoin d'une potion qui rend plus rapide que le vent. Ah oui, que le vent. Ouais. De célérité parfaite. Tiens ma bonne grosse gueule. Saucisse, saucisse, alcool, fête. Saucisse, bière. Offbeaterzen. J'ai besoin d'une potion qui permettra à mon arme de frapper les ennemis avec la foudre. Ouh. C'est une demande qu'on me fait jamais, madame. Mais j'aime beaucoup. J'ai plus aucun ingrédient. J'ai vidé la... J'ai pillé ma baraque. Ok. Mais on a tenu notre objectif. Et ça, c'est beau. J'ai besoin d'une potion permettant de conserver la fraîcheur de la viande, des légumes et d'autres types de nourriture. Je ne supporte pas l'ingrédient champignon de mage. Je vous paierai un supplément si la potion n'en contient pas. J'ai envie de te dire, ma fille, tu prendras ce qu'il y a. Parce que là... voilà. Voilà. Hop là. Voilà. J'ai besoin d'une potion pour rendre ma peau solide comme de la pierre. Oui. Bah, on en a plus beaucoup, hein. Mais nous, on en a, hein. Voici, hein. Oh, on va parler bouquin parce que je me sens pas la foi de rater quelque chose là. J'ai besoin d'encaisser un peu d'argent, voyez-vous. Oh non, le vieux. Bah j'ai besoin de faire le plein, le vieux. Hein. Je suis à sec. Genre les champis de feu là, non ça, ça va ça, j'en ai encore. Alors les champis mages, je suis dépouillé. 7, ça c'est des espèces de trucs chelous, jupe fantôme, j'en ai pas besoin. 18, ah ouais, je pourrais en reprendre. Ah, 8 comme ça. 8, là, c'est un peu craignos. Le topo, combien? 192, je prends. Des étronges. C'est soit la grosse étronge. Ouais, je vais en prendre un peu. Voilà. Ouais. Je suis pas bien, hein. Allez, on va pas plus loin. J'ai gagné 55 balles, c'est bon. Au revoir, terminé. J'ai la nausée depuis ce matin. Vous avez quelque chose contre ça? Du heal, ma gueule. En voici une. Ah bah oui, la gueule de bois. Ah bah oui, monsieur, la gueule de bois aussi. Quoi? Ah vraiment, je rate un clic, tout se met à accélérer. Les vignettes rétrécissent. Ah oui, c'est terrible. J'ai besoin de potions qui remplaceraient une torche ou une lanterne. Ah, ça fait longtemps qu'on m'en a pas demandé. Un spotlight. Ce qu'il vous faut, monsieur, c'est un spotlight. Voilà. Get spotted, monsieur. Vous avez eu la blague? Oh putain. Et je clique pour cliquer. Pour cliquer. J'ai gagné 4 balles. Wouh! Je me suis coincé le doigt sans le faire exprès, ça me fait un mal de chien. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le classico, hein. Le classico potion de soins. Hein. Je n'ai vraiment quasi... je n'ai quasiment plus de mana. Je veux du mana. Je vous paierai plus cher pour une potion aux effets multiples de mana. Mana.
Mana, mana, mana. Le mec m'a dit beaucoup de fois mana, je crois qu'il veut du mana. Tiens mon gars, tire-toi. Mais laisse ta bourse quand même. Mais tire-toi après. Mm-hmm. J'ai besoin d'une bombe capable d'éliminer plusieurs monstres à la fois. Parfait, parfait, parfait. J'ai ça là. C'est pas mal. Les gens redemandent. C'est que ça va être pas mal. C'est que c'est plutôt fiable. Oula. Oula, oula. Oula. Voilà. Ouf. Dur la journée, hein. Oh, dur. Oh. On a plus de thunes, plus d'ingrédients. Alors, 1004, si on est en thunes, on est revenu. Maintenant, on a juste plus d'ingrédients. Est-ce que le jardin va nous remettre un peu d'aplomb? Tac, tac. La série ma porte d'entrée est bloquée. Comment rentrer chez moi maintenant? Wow, wow. On peut te faire exploser ta porte. Alors ça, c'est peut-être un peu énervé comme solution. Mais, elle est moins coûteuse que celle-là. Je prends ça. Bon, alors là, hein. Ta porte, j'espère qu'elle est pas en bois. Hein. Parce que si jamais c'est en bois, appelle les pompiers avant. Genre tu fais venir les soldats du feu, ou des sceaux, les gens à côté, qui tu veux. Mais on en a besoin. Il me faut une sorte de potion capable de restaurer mon pouvoir magique en cas de besoin. Mmh, tu voudrais dire une potion genre de mana? Impressionnant, n'est-ce pas, hein? Oh putain. J'ai encore raté, donc j'ai tout perdu. J'ai besoin d'une potion qui peut m'aider à éteindre un incendie dans une maison ou un feu dans mes champs. Alors, effectivement, je comprends le... J'entends la problématique que vous avez avec une voisine. Je suis pute, hein. Oui, j'ai dit pute. Voilà. Bonne journée à vous. Eh ben... Ah, des trucs. 46, j'ai encore ce qu'il faut. 12, ah, j'ai plus rien. J'ai plus rien et c'est hors de prix. Des herbes à flammes? C'est rigolo ça. Je connais pas moi. Je prends. Pas de la flore, je prends. Il va falloir réussir une négociation de tier 2. Enfin, même de tier 1 normalement pour tout avoir. Bam! On est riche et on a du stock. Enfin, je crois qu'on a du stock. Moi, je suis pas sûr, je suis pas formel. Retour terminé. J'ai besoin d'une potion qui me protégera de différents dangers lors d'un affrontement. Je peux en refaire, excellent. Bon, par contre, on est quand même pas non plus très très large, mais c'est pas la crise non plus. Oui, la tête des gens qui grimacent, qui pleurent, qui sourient, voilà, ouais, super incroyable. Le théâtre, hein, j'adore, j'adore. Un peu comme Christian Dior. Est-ce que vous auriez de la peinture lumineuse alchimiste? Je veux fabriquer une pancarte qu'on verra de loin à la tombée de la nuit. Oh putain, vraiment, le mec a inventé le business moderne, quoi. Tiens, vas-y, la poule. Tiens, regarde. L'étoile de Mario. Allez, salut. J'ai besoin d'une potion qui me permettra de créer un nouveau sort de feu. Ouh, je peux vous trouver ça, monsieur? Voilà, du 95 sans plomb, monsieur. Vous verrez, ça fait le taf. Ah, parlons magie. Attention de te servir de ce feu magique, pourquoi? Salaud. J'ai besoin d'une potion pour corriger ma maladresse. J'ai. Je pense que ce qu'il te faut, c'est ça. Elle est jolie la bouteille, hein, vous avez vu? C'est donné du mal, hein. Ah, t'es barde en plus! Ah oui, donc les bourgeois, le pognon tombe, hein, ça caillasse. Et ça, les mains trembleraient moins si vous arrêtiez l'alcool, connard! Ah bon, insupportable. Les prix sont 60% profitables. Oh, let's go. Let's go. Bon, bah, ça me paraît bien, hein. Ça me paraît très bien, on peut s'arrêter là, c'était Knarfonction comme d'habitude gaming pour... je sais même plus c'est quoi le nom de ce jeu, comment je m'appelle? Si quelqu'un... Potion craft! Si jamais quelqu'un se souvient de comment je me nomme... Ah, si quelqu'un sait aussi comment on désactive les bips des notifs Steam là,
les machins là, de vous gagner en balle, aller sucer là, tout ça, tout ça. Ça serait cool. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine, ciao.